Oh là là, quel beau cheval! Il est trop beau! J'espère qu'il va pas me remorquer parce que je vais monter dessus. Bonjour ma petite Elina, comment vas-tu? J'ai peur. Bon, il faut que je t'explique quelque chose. T'es paralysée Elina, tu pourras plus utiliser tes deux jambes. Bon, je vais aller chercher ton fauteuil roulant. Tes parents sont là, je vais te laisser. Je vais paralyser la fille. Oh ma fille! Ma chère fille, j'aurais jamais dû te laisser aller toute seule dans cette forêt. Regarde ce qui t'est arrivé par ma faute. Bonjour, monsieur, dame. Je vous apporte seulement ce fauteuil. Vous pouvez m'aider? Ma chérie, tu es contente d'être revenue à la maison? Je suis très contente, maman. Tu sais que tu vas retrouver quelques copines? Je sais, maman. J'espère surtout retrouver Julie. Ne t'en fais pas, tu vas te faire plein d'amis. Tu verras, c'est très facile. Je me souviens quand j'étais rentrée au collège, j'avais plein d'amis. Mais qu'est-ce que tu fais là? Julie! Viens, je vais te montrer l'ascenseur pour les handicapés. Ça sera plus facile pour toi. Oh, Elina, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je suis moche dans un fauteuil roulant. Raconte-moi tes vacances. T'as fait ça comment? Oh là là, j'ai peur. Où l'handicapée, elle se traîne comme une mémé. Ah, l'handicapée. Comment t'appelles-tu, jeune garçon? Quelqu'un pourrait accompagner Paul à la maternelle du coin de la rue, car tu as une attitude de bébé. Mais c'est pas moi, madame. Oh, c'est relou! Elle est maigre! Regardez! Elle est moins, elle ne sait pas faire ça! Ah, j'ai mal! Ouh là là! Appelez une ambulance! Viens, Paul, je vais te montrer où est l'ascenseur, ça sera plus simple pour toi. Excuse-moi de m'être moquée de toi. Maintenant que j'ai mal à mon tour et que les autres me regardent différemment, je comprends ce que tu endures tous les jours. Je ne me moquerai plus de toi, promis.